Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Crusader Kings 3 et on joue avec je ne sais plus mon prénom, le seigneur de Firim, Tabaristancha Rostam. Dans la dernière épisode, on avait pas trop réussi à faire baisser notre niveau de stress. On avait envahi un voisin, cédé une partie à mon fils et héritier, et on avait créé un duché de plus, celui-là. Je vais tenter de faire le royaume maintenant, peut-être qu'on arrivera à vassaliser notre voisin, on verra. Il a réussi à créer un émirat quand même, celui-ci. J'espère qu'il n'aura pas celui-là, mais rien n'est garanti. Et ma fille est devenue adulte, c'est une brillante stratège. 4 étoiles, très bien. Et elle obtient Traverseur du Gué en bonus. Très bien. On a un comploteur à la cour, un vagabond, qui est très doué en médecine, a priori. Dans la suite du Sheik en balade. Ah non, elle n'est pas à la cour d'ailleurs. Elle n'est pas chez moi, donc on va pourrir sa présence, sa réputation, et puis voilà. Ah, il m'a trouvé des pierres précieuses. Je ne sais pas ce que... Hop, c'est pas le bon bouton. Je ne sais pas si j'ai mieux. Ah, mieux, c'est mieux que du prestige. Hop, et j'ai pas d'antiquaire. Mais j'ai pas d'étendement en dessous non plus. On va quand même prendre un antiquaire pour éviter que ça se dégrade trop. Ouais, elle a pas de trait particulièrement intéressant. J'ai plus de médecin non plus. Ah, on va peut-être chercher à marier des gens du coup. Non marié. Ah, j'en ai plein. Donc, ma maître caravanière. Est-ce qu'on a des gens qui ont le trait médecin novice? Un. Qui est très bon en tout. C'est un nain. C'est pas grave. Elle est assez vieille. De toute façon, elle est trop vieille pour avoir des enfants. Matrilinéaire, très bien. Viens chez moi. Ensuite, un assoir. Il pourrait choper... Ah, donc elle a aussi le trait... Oh, c'est très... Je trouve très bien. Donc elle est médecin novice et intelligente. Et lui... Ah, il est très vieux. Il vaudrait mieux, du coup, que je la fasse épouser quelqu'un de plus jeune. Après, chance... On va partir avec ça. Elle a quand même des chances relativement bonnes d'avoir un enfant. On va supprimer ce truc-là. Je préférais des gens fertiles. Alors, pas ma fille... Je vais lui trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un du monde extérieur. Amazon, nickel. Chance moyenne. Il a 22 ans. On aura sûrement pas mal d'Amazon, du coup. Parmi mes courtisans. Ce monsieur, sa femme est morte. À l'âge de 38 ans. On va lui trouver quelqu'un de compétent. C'est pas des gens exceptionnellement compétents ou que ce soit. On va prendre des gens acharistes. Ah, il a une maison déjà. C'est pas gravissime du coup de lui trouver quelqu'un avec une maison ou pas. De toute façon, c'est un mariage patrilinéaire. Mon percepteur d'impôts. Il a jamais été marié lui. On va prendre quelqu'un de compétent encore. Chance basse, c'est sa faute. Je pense, si jamais je marie avec quelqu'un d'autre. Ouais. Il est un peu vieux. Ma fille, on va lui trouver quelqu'un. Celle-là, je vais pas la dépenser pour des alliances. Est-ce que on pourrait avoir des génies par hasard? Matrilinéaire. Oui, dès qu'ils soient très âgés. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont quand même des chances d'avoir des enfants assez bonnes. Ok, c'est parti. Il viendra à ma cour. Et si ça marche pas et qu'il meurt, je trouverai, parce que là il est malade, je trouverai quelqu'un d'autre à ma fille. Ensuite, on assoit. Ah, les chances moyennes. Ok, ils ont à peu près le même âge. Et ma courtisane, oui c'est ça. On peut aussi lui trouver quelqu'un de compétent. Je veux que ce soit matrilinéaire. Ah, ça passe pas si c'est matrilinéaire.
On va lui trouver quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai pas envie de me marier avec elle, moi. C'est moi le plus compétent ensuite. On va prendre ce monsieur qui est plutôt doué dans plein de domaines. Est-ce que moi je me trouverais pas une femme supplémentaire qui soit une génie? Hop, c'est pas écrit. Génie. Ah, je n'ai pas la possibilité d'en avoir. Ok. Pas on peut regarder ce que j'ai en trait héréditaire. Si je promets un grand mariage, je pense pas que j'ai des génies quand même. On va regarder. Non, ok. Donc on va pas promettre de grand mariage. Je pourrais avoir une femme féconde. Herculéen. Ah oui, sauf que bien sûr, moi j'aimerais quelqu'un qui ait une dynastie. Je pourrais prendre une magnifique. Chance d'avoir des enfants élevés. Ah, c'est vrai que ça peut aussi me choper une belle alliance. Inférieure. Et je promets pas grand chose en me mariant avec quelqu'un qui a. Qui a 0 rang. Enfin, en me fiançant. Je serais peut-être mort d'ici là, mais ça me permet d'avoir une alliance. Et c'est le mieux que je puisse avoir. On va tenter le coup. J'ai bien eu l'alliance. Et comme on est tous les deux des détraqueurs. Ah non, partisan de l'autorité, lui il est. Donc. Attends, c'est une blague ça? On m'avait dit que ça existait. Qu'il y avait une probabilité. Je ne savais pas que c'était. Que ça allait, je pensais pas que ça allait m'arriver, sachant que j'ai déjà joué une partie où j'étais à la fin, j'étais seul à régner dans le monde et j'ai pas eu ce truc là. Régner sur le monde, des paysans les plus humbles aux vassaux les plus nobles, tous murmurent mon nom et ma puissance et appellent à une guerre. Ils soutiennent ma cause, qu'elle me considère comme digne de régner sur le monde. Les forces du royaume de Tarabistan sont miennes. Je compte bien en faire usage. On attend de moi que je revendique par la force les terres qui devraient m'appartenir. Je suis destiné à régner, à soumettre ceux qui m'entourent et à les intégrer dans mon royaume. Avec mon peuple derrière moi, l'échec est impossible. Et là, je peux obtenir le trait conquérant, qui est clairement le trait le plus puissant du jeu, qui fait impôt brut, maintenance des armes d'armes drastiquement réduit, coût de création de titres drastiquement réduit, durée de la probabilité de complot ennemi réduit sur tous les trucs, légitimité plus 5 par mois au cas où je sois pas déjà maxé sur la légitimité, casus belli vassalisation forcée, suppression du coût de prestige des casus belli, suppression du coût de piété, bah oui autant y aller à fond, les armées affluent sous ses bannières, les prétendants affluent à sa cour, ses vassaux ne se mettront au pas. Et je peux aussi rester ici à sentir les coquelicots. On va clairement prendre le trait conquérant. La seule raison pour laquelle je pourrais ne pas le prendre, c'est parce que ça serait trop facile. Mais bon, j'ai 46 ans, on va tenter d'en profiter un maximum. Ce qui fait que, à mon avis, le royaume coûte plus grand chose. 125 quand même. Mais je gagne tellement. Appelé à la guerre. Alors, guerre d'indépendance. On va l'accepter. Je pourrais rejoindre un grand tournoi. C'est déjà trop tard. Bah, j'ai pas déjà rejoint? Ah mince, j'avais pas tiqué. Il est dans plein de guerres, le mec. Avec qui je me suis allié. J'aurais pas dû. Plein de guerres. Enfin, peut-être pas plein, mais... il contrôle cette zone là. Ah oui, bah ouais, j'ai pas été smart. C'est pas grave, on va lever nos armées. Ma fille montrait depuis quelque temps des signes de grossesse et tout le monde pensait que son mari, l'émir Alia, était le père de l'enfant. Ma fameuse fille qui a couché avec le voisin. Ok.
Alors, zélé, ambitieux, sadique. On va le faire zélé. J'ai pas envie d'avoir un ambitieux que je ne dirigerai pas et qui sera mon vassal. On va voir si je peux affronter. Je pense que celle-là, il va la perdre. Ça va l'affaiblir drôlement. Même avec moi, on n'est pas assez nombreux. Et celle-là, peut-être, on verra. J'ai eu tort d'accepter une offre de vassalisation juste comme ça. Bon, on va quand même combattre. Et après, je me recentrerai sur mes soucis à moi. Profiter du temps qui m'est imparti avec un dirigeant. Ah, j'ai un fils qui est mort-né, d'accord. Ça, c'est pas très bon. Là, c'est pas bon non plus. On va aller attaquer eux. En passant. Ah mince, bon. En passant par là. Le conjoint agit en mon nom. Redoutabilité. On va partir sur de la redoutabilité. C'est ma femme qui est ma conjointe. Il m'attaque. Belle erreur de sa part. Par contre, là, c'est moi qui vais me tirer. Ah, il m'attrape ici. D'accord. Ouais, non, on va perdre. Le jeu disait que j'allais peut-être gagner avec le premier round, mais dès que la deuxième araignée est arrivée, mes chances étaient très réduites. Alors, qui veut mon héritier du joueur? Ok. On a fini la conversion. Alors, conquérant renforcé. Très bien, qu'ils viennent, qu'ils viennent. J'ai des gens assez compétents, d'autres moins. Je peux créer des régiments d'hommes d'armes pour pas très cher. J'aimerais prendre les zones agres. Mais d'abord, j'ai un royaume à créer. Alors, la cour d'Aelent. Je suis un amir, très bien. Puisque vous êtes désormais amir. Amir et Amiran, vous avez de nouvelles tâches et responsabilités. Vous devez régulièrement accorder audience pour résoudre les conflits du pays et laisser vos courtisans prendre part à votre quotidien. Le vaïr valide de Berbran me regarde sévèrement, presque pour me sermonner. Peut-être y a-t-il aussi de la fierté dans son regard. Il déploie une belle bannière portant l'emblème de la maison Bavandide. L'une des façons dont le monde jugera désormais votre règne est la façon dont vous entretenez votre cour royale. J'ai pris la liberté de faire fabriquer ceci comme présent pour marquer le début de votre stature royale. Prestige, plus 10 de, plus 12 de limite de vassaux, très appréciable. Renommée. Et celle-là, elle est bien aussi, un peu moins, mais. D'entrer à un moment ultérieur. Bon, on va y aller, hein. Ma cour royale. Donc, on va afficher les grands ornements de la maison et les petits moins importants. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose, mais on verra plus tard. Ils s'attendent à ce que j'ai un niveau de magnificence 1. Pour l'instant, on est à 0, mais ça va grimper. On a une cour guerrière. Efficacité des chevaliers, j'apprécie. Contribution de vassal enlevée. Pour l'instant, j'ai juste le premier bonus, mais. Enfin, même pas, parce que je suis pas niveau 1, mais. Et on est iranien. Ok. Sachant que. Les autres. Ah, il y a pas mal d'iraniens quand même. Enfin, pas mal. Ça doit représenter deux voisins, mais. Un peu plus. Enfin, non, il y a lui. Ah, si, trois voisins, c'est ça. Trois voisins iraniens. Donc, on va rester iranien en langue de cour. J'ai trop peu de conjoints, paraît-il. Oui, est-ce que j'en ai qui me permettent de faire des alliances intéressantes? Oh non, c'est vraiment terrible. C'est pas grave. Plus 8, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement de dirigeant, je ne sais pas trop. Alors, la conversion, on continue.
On aura bientôt tout converti à l'acharisme. Bon, on va retourner taper un peu, ou alors je me méfie et j'évite. Ah, ma fille a été emprisonnée. Pour ses... Je pense que c'est pour avoir couché avec un autre dirigeant. Donc là, c'est un allié. Oh là là! Casse les pieds quand même. Je pourrais peut-être mener la guerre de mon côté et puis pas me soucier de lui, hein. À condition de délever mes armées. Et de pas avoir d'aide d'alliés, évidemment. Ah, une éminente. Qu'est-ce que c'était à la cour royale? Je ne sais pas. Une juridiction non imposée. Mais il n'y a pas de contribuable. Très grave. Si, j'ai l'air de trouver ça très grave. On va prendre quelqu'un d'excellent alors. On va tous les basculer, comme ça lui, qui est juste bon, il va être remplacé par quelqu'un d'excellent. Oh là là, il l'a tué. Deuil non fait. Je crois que j'ai le l'activité funéraille maintenant. Non. Fin de la révolte paysanne. Et eux, c'est presque fini également. Alors, il complote contre ma courtisane. En prison. Il est pas très bon en plus. J'ai aucune raison de lui éviter la prison. Un autre est pas non plus génial. Alors lui il s'est évadé. Est-ce que j'ai des gens à rançonner? Apparemment pas. Ah, on les attrape. On les a taillés en pièces. Alors, on a perdu mon intendant. On a quelqu'un de très qualifié pour ça. Quelqu'un que d'ailleurs je voulais demander de rejoindre mon camp, c'est pas fini. Intention bienveillante. Je voudrais véritable suzerain. Alors il y a une épidémie dans mon pays, vu que mon pays est vraiment petit. Ah, c'est dans le nord. C'est pas gravissime. Ça ne me concerne pas directement. Alors il dit que je vais probablement remporter la bataille. On défend un fort en montagne. Pas très étonnant. Ça va quand même sûrement être chaud. Mais... Ah, je crois que j'ai 51. Alors, mon fils serait sociable. Tout à fait. Reste sociable. Commandant recruté. Lui, il a rejoint ma cour. Juste comme ça. Ok. Il a rejoint mes gens. Mes rangs, pardon. Je pense que c'est le genre de choses qui arrivent juste comme ça. Pardon. Enquête financée. On va aller charger de lui. Bon, du coup, je passe du temps à défendre mon allié plutôt que faire des trucs utiles dans mon pays. Ça me plaît moyen. Ah mince, faudrait que j'ai 35% maintenant. Ah, faut que j'en cède. J'ai oublié. Trop de duchés possédés, c'est bien ce qui me semblait. Donc toi, on va t'accorder titre... Non.
Ces deux-là. Pas forcément celui-là en fait. Toi, on va t'accorder. C'est ça, royaume de Circassie. Ça s'appelle royaume alors que c'est des duchés. Ah, plus troublant, tu meurs. Ah, du coup, je crois que j'en ai accordé un de trop par rapport à ceux que j'ai, mais on s'en fiche. Ah, ça va être lent par contre. Par contre, si jamais c'est sérieux que je peux attaquer sans rien payer, on va pas s'en priver. 42, je pense que c'était. On a repris l'objectif de guerre, ça fait une grosse différence. C'est ça. C'est bien si on arrive à finir ça. Je vais peut-être lui faire gagner sa guerre tout de même. Oh là là, c'est pas vrai. C'était vraiment un mauvais choix ça. Ah, je peux faire ça, ça rompt la... J'aurais dû le faire dès le début, mais... J'ai pas envie de me retrouver dans toutes ces guerres. À 2... Ah mince, c'est l'inverse. Je suis à 3 et... Et ça descend. Crotte. Bon, on va payer un petit... Pourquoi il me fait sortir? On va payer un petit peu. Prestige... Perte de stress. Ok. Invité. 1,40, ça reste raisonnable. Alors, morale élevée à la frontière. La femme peut s'en charger, j'irai bientôt. Hop, ça m'arrange de perdre du stress. Est-ce que... Alors... Il veut se marier avec ma courtisane. Maison Bakir. Pas d'alliance, c'est pas ma maison à moi, donc ça m'arrange pas tant que ça. On va décliner. En revanche, je me demande si moi je peux pas choper des conjoints plus intéressants au niveau puissance d'alliance, dans la mesure où j'ai chopé le très vachement chouette. Qui sont ceux-là? C'est un petit pays, donc on va prendre. Ils auront pas de rébellion de leur vassaux en permanence. C'est un génie en plus. Sa fille est intelligente. On va peut-être prendre l'inspiration. Ça coûte pas excessivement cher. Il veut faire un tissage. Ça va me servir hein, pour avoir de la renommée de la cour. Et probablement plein d'autres bonus intéressants. On a quasiment perdu, à la limite perdons, après on n'en parle plus. Allez, on est à moins 100. Ainsi soit-il, disperser tout, pause. Je voudrais déclarer des guerres avant que l'intérêt iranien ne bascule, parce qu'on est en train de basculer vers stabilisation. Qui est-ce que je peux attaquer? Je pourrais attaquer pour mes terres de jure, je pourrais attaquer pour valisation forcée. Je peux en faire autant que je veux, ça ou pas? Je pense. Ah, mais du coup, c'est un casus belli qui est pas concerné, à mon avis. Alors, il vaudrait mieux quand même que je m'attaque à des gens plus petits que moi, probablement. Ah, lui, il est très faible. Il a juste des alliés qui sont un peu forts. Aucun coup pour déclarer la guerre. Et je pourrais choper ce territoire là.
Sachant qu'il est déjà en guerre. Guerre de libération. Bon, on va pas se presser du coup. Ce personnage-là, je pourrais réclamer des territoires. Ou même vassalisation forcée. Ah, elle a trop de comtés, d'accord. Oui. Ou alors guerre sainte pour un royaume, pourquoi pas. Sachant que si jamais j'attaque pour un duché. Ah, c'est juste le duché qui est grand comme ça. On va attaquer pour le duché. Hop, on va demander l'aide de mon allié. Celui qui a quelques hommes. Ah, ses troupes sont juste à côté de chez moi. Je sais pas si j'aurai le bonus du fort si c'est moi qui attaque. On va faire un régiment d'onagre. Parce que j'ai envie d'accélérer l'effort. Alors, elle m'attaque. Faites un artefact de qualité. Elle m'attaque en montagne alors que mes troupes vont être rassemblées. Mauvais plan pour elle. On l'a massacré avec le bonus. Alors, mode de cours élégante. Ou alors, l'œuvre est annulée et votre investissement est remboursé. Ou alors, l'érudition de... Ok. Allez, on va monter un peu en érudition. Comme ça, j'ai chopé un atout. Un atout qui peut être progression de la fascination culturelle. Très intéressant. On reste en dessous des 100% ou pas? 94, nickel. On a la bataille, c'est fait. Mince, je voulais voir le détail. Bon, en tout cas, on les a explosés. Ce qui fait que maintenant, j'ai l'avantage. Et on va aller les assiéger par là, en pleine, au début. J'ai un chevalier malade. Un assoir plutôt. Conquérant, soutien populaire. Enrôlement des paysans, qu'est-ce que ça fait? Taux de renforcement de la levée et opinion populaire. Large soutien des paysans. Capacité d'approvisionnement. On va prendre les cadeaux bruts pour être en positif. On est passé en stabilisation. Mon allié est en train d'arriver. Je me dis, je suis conquérant, il faut que j'en profite un maximum. J'ai perdu pas mal d'années à défendre mon allié. J'aurais dû briser les fiançailles avec son bébé. Alors, un complot à la cour contre ma femme. Lui, on va dire que je l'ai suffisamment influencé. Ah, mais je l'ai pas fait changer. Et je suis en guerre maintenant. Je peux plus le faire basculer. Ce sera plus tard. Alors. Non, je voudrais la passer en matrilinéaire pour avoir plus de monde. Éminence grise. Oh, très bien. Et il m'a fini les tapisseries. Moins de co-règne, magnificence de la cour. Et ça bouche à un spot qui pour l'instant était vide. Je sais pas si ça valait 100 pièces, mais bon. Ma femme. Ouais, on va la laisser libre. C'est moi. Non, je fais confiance à mes femmes. Conversion terminée. Il nous en reste un. Il n'aura pas été efficace. Mon héritier du jour est fils. Alors, je vais pas me convertir. Froid à la frontière. Ma femme, pour en doc, a reçu des nouvelles inquiétantes concernant les soldats en garnison dans les forts de Villa de Saki. En secret, ils se sont tous convertis. Ils se sont convertis à l'infâme hérésie. Ictafisme, m'informe-t-elle d'une voix tremblante. Bien que j'ignore qui est leur chef, je redoute qu'ils emploient bientôt des armes de... que vous-même leur avez fournies pour tenter de vous renverser. On va pas tenter ça. Je vais pas me convertir.
On va attendre de voir comment ça évolue. Hérésie étouffée. Très bien. Perdu mon alliance. J'espère que c'est celle qui avait vraiment très peu d'hommes. Hop! Je vais direct sur la capitale. Pas le temps de niaiser. J'ai un fils qui peut se marier. Patrilinéaire, très bien. Je voudrais quelqu'un de compétent, si possible avec des bons traits. J'en souhaite d'homme là. Magnifique. Probabilité d'avoir des héritiers élevés. C'est parti. Oh, ils sont bons en... Ils ont des engins de siège? Même pas. Ils ont des archers à cheval. Ils sont assez rapides. C'est peut-être un petit fort aussi. Ouais, un fortification, c'est le minimum. Comme moi j'ai un fort à 4. Normal que je sois un peu plus lent malgré mes engins de siège. Faible contrôle comptal. Est-ce que j'ai la possibilité de le monter? Oui. On continue le développement. Cour royale. Commandant recruté. Ah, je pense que c'est quand il dit... Quand il y a un nouveau qui rejoint ma cour, il met un pop-up sur la cour. Mais après, il ne m'affiche pas précisément où il est. Ça me facilite pas la vie. Je pense qu'en prenant sa capitale, exactement, on a le score qu'il faut. Hop! Faut attendre un peu parce que j'ai fait la paix avant d'avoir 100% grâce à mon bonus. Alors, je peux accorder audience. Allons-y. Alors, magnifique puissance de la cour, de la charrue à l'épée. Ok, travail gratuit. Allez, c'est parti. Oui, je suis désolé, je lis pas tout. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez également mettre la vidéo en pause un instant. Je vais quand même essayer de lire un peu tout. Mon vassal, le Narmozafar, peut à peine contenir sa rage, puis éclate. Quelque chose doit être fait à propos de cet étranger d'origine Khazar. Il gesticule à tout va. J'en ai assez du Narbuzir et de ses coutumes ridicules. Tout en eux est étranger aux vertus de l'Iranien. Il est temps que vos sujets adoptent les mœurs de leurs supérieurs. Alors, si je dis oui, je suis juste, donc je vais obtenir du stress. L'acceptation était réduite. Et les vassaux non d'Almaïte perdent de l'opinion. Et j'aurai culture indésirable, opinion populaire. D'accord. L'acceptation culturelle augmente, ça m'intéresse. Hop. Mon vassal, le Narsiam Sam, s'approche du trône avec un jeune homme derrière lui. Monseigneur, ma connaissance, Yadzek Yorangi souhaite avoir l'honneur de rejoindre vos Aswaran. Je suggère de lui donner l'occasion de prouver sa valeur. Il sait manier l'épée et ne vous laissera pas tomber quand il le faudra. Ah, il est plutôt pas mal. Bon, c'est un Khazar alors que lui, il est d'Anamite. Attends, non, c'est lui dont il parle? Vagabond? Ah bah, il est encore un peu mieux. Oui, c'est lui. Yadezer Gorgandi obtient l'opinion, s'installera à votre cour et deviendra chevalier. Je peux aussi le faire revenir. Hop, je perds du stress parce que je suis galant. Hop. Donc j'ai obtenu des terres supplémentaires. Je pourrais accorder des titres à mon fils. Hop, comme ça il a tout son comté, il est content. Moi, je pourrais créer celui-ci. C'est fait. Je le file à quelqu'un et je garde des terres par là, peut-être. Alors, mon autre fils, très bien, auquel on va filer tout ce territoire-là. Du coup, j'ai perdu mon intendant.
Allons-y. Ça devait être lui, mon intendant. Ouais, il est très compétent. J'aimerais lui demander de rejoindre mon camp. C'est bon. Et ensuite, on va céder des terres à des gens. Je contrôle toute cette région. Est-ce qu'il y a des territoires particulièrement intéressants? J'ai Tabriz qui a des montagnes arc-en-ciel. Probabilité de gibier de chasse et réussite de chasse plus importante. Et j'obtiens diplomatie parce que je possède le comté. J'ai aussi un grand temple du feu que je pourrais théoriquement avoir à un moment ou à un autre. Et économiquement parlant, les moins intéressantes, c'est celle-ci. Celle-là, elle est pas mal. Des trucs divers et variés. Donc on va céder celle-ci déjà. C'est mon maréchal. Il est, j'ai pas à vérifier, il est d'Elamite, c'est bien. Je peux aussi théoriquement céder des terres plus anciennes, genre celle-ci. Bon, enfin, on va les garder. Je vais céder celle-ci d'abord. Un d'Elamite compétent. Ah, mais il a pas de terre, ça va fâcher les gens. Oh, pas tant que ça. Et maintenant, il a un nom. Ardabil, Tabriz. On va céder celle-ci. Est-ce qu'on a des gens particulièrement compétents? Mon maréchal, mais il a déjà des terres. Un égyptien, pas trop. On va repasser en pertinence. Allez, ce monsieur. J'ai un vassal courtois qui est un peu fâché à chaque fois, mais. Et ils ont pas l'air concernés par la succession iranienne. Je sais pas si jamais il faut un peu de temps qui s'écoule ou pas. Ah, eux ils sont fidèles. Rejoindre mon camp. Hop. Rejoindre mon camp. Ce monsieur. Rejoindre mon camp. Hop. On va jeter un coup d'œil chez mes vassaux pour vérifier que tout le monde est dans mon camp. Alors lui il est pas impliqué. Lui il est avec moi. Lui il est pas avec moi. Je peux plus lui donner de directives du coup. C'est bon. Bâtiment militaire. Alors lui je peux lui donner convertir à la fois. Très bien. Convertir à la fois et convertir à la fois. Ce monsieur, il m'apprécie pas du tout. Je peux aussi lui révoquer son titre. On va le garder pour l'instant. Toi, rejoins mon camp. Toi, ça va. Toi, rejoins mon camp. Toi, rejoins mon camp. Toi, c'est bon. Ok. Alors, tapisserie, broche. Pour l'instant, je vais garder mes sous. Oh, je peux vassaliser quelqu'un. Pas d'exception. Je prends. Alors qu'il n'était pas dans ma surface de royaume. Alors, il accepte pas parce que nos pays sont éloignés. Pas vraiment, mais tu t'en es peut-être pas encore rendu compte. Oh, bah, je peux vassaliser plein de gens. Je pense que c'est parce que je suis conquérant. Oh là là, ça va aller vite, hein. J'ai un gros comme ça, je peux le vassaliser. Génial.
Faut pas que je chope trop du royaume, si jamais sinon à la succession je vais avoir des soucis. Il va falloir que je passe tout de suite à l'Empire. Pour l'instant, personne ne choperait un autre royaume, très bien. Mais moi je pense que je peux le prendre. À part que j'ai pas de sous. Alors je suppose que toi. Ah, on n'est pas de la même religion et t'es en guerre, donc non. Mais je peux créer des titres. Je peux transférer un vassal. Je le transfère à qui? À lui. Ils sont tous de ma religion, par contre, oui. Pourquoi pas? Bavanide. C'est moi ça? Pourquoi l'unité de ma maison changerait? Je suis pas sûr de saisir le pourquoi du comment, mais c'est pas grave. Parce qu'il contrôle cette ce comté? Pourquoi est-ce que je m'en priverais de lui filer du coup? Alors je peux créer le titre et le lui filer. Ce qui en fait un vassal plus puissant. Je pense que je peux pas le dévassaliser cela parce que je contrôle pas la zone. Mais je pourrais attaquer ce monsieur. Pour des terres de jure. J'essaye d'enchaîner comme les IA font. Et on fera cette guerre dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. On commence à conquérir sérieusement, autant en faisant des guerres qu'en vassalisant. L'avantage de faire des guerres, c'est que je choisis exactement qui contrôle. Typiquement là, moi, des gens de ma dynastie. Comment ça, tu t'es converti, toi? N'importe quoi. J'en ai d'autres des hérétiques dans mon pays? C'est une blague? J'ai tout ça? Donc lui, je lui ai demandé la conversion. Lui, il m'apprécie. Je peux probablement lui demander la conversion aussi. Oui. Alors peut-être que j'ai un bonus pour demander la conversion parce que je suis... Non, j'ai pas de bonus du fait que je sois conquérant. On va voir avec mes vassaux. Ça, c'est bien les mêmes que moi. Ce sont tous des acharites. Si je regarde la carte, ce sont des acharites qui contrôlent leur terre. Très bien. Et lui, il est acharite et il contrôle un territoire qui ne l'est pas. On va lui demander la conversion. Eh bien, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.